Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve enfin pour la dernière vidéo. La dernière les amis d'Uncharted 3 l'illusion de Drake. Ce let's play qui aura traîné en longueur effectivement sur ma chaîne. Mais voilà, c'est la dernière vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, vous me connaissez depuis toutes ces longues années où je vous fais des vidéos sur les jeux vidéo. Et notamment dans les let's play, la dernière vidéo est toujours... Oui, bon, l'indice est bien sur la porte. La dernière vidéo est toujours plus longue que les autres pour vous offrir un final en apothéose. Donc installez-vous, prenez vos popcorns, bien sûr sucrés, parce que les popcorns salés, c'est quand même pour les tapettes, il faut le dire. Pour ce dernier épisode d'Uncharted 3, remasterisé sur la PlayStation 4, sur ma chaîne. Et tout de suite, les amis, si vous kiffez, si vous savez que vous allez passer un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Voilà, c'est comme ça qu'on fait hein, dans le YouTube 2017 maintenant. Voilà, bref. Sur ce, on est parti. Allez, rentrons. Ah, dessus, un petit trésor. Ça fait plaisir quand même de revenir à chaque fois sur ce monde de jeu. Wow. Regarde cet endroit. Alors, elle existe pour de vrai. C'est incroyable. C'est pas mal. Ah bah, ça en fait les choses illustrées. C'est immense. Tu parles d'une porte? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça va pas. Bon, ça doit être l'entrée, mais c'est bien fermé. Il doit y avoir un mécanisme pour l'ouvrir. Il faut le trouver. Jette un œil. Ça doit être les trucs là qui puissent, qui peuvent coulisser, sûrement. Oh hey, j'ai pu récupérer ton carnet auprès de Marlowe. Ah. On sait que ça pourrait servir. T'as ça dans le sang. Ça par exemple. C'est là-haut. J'ai trouvé un truc. Ah oui. Comment ça coincé? Nate, regarde de l'autre côté. Je vais tenter d'actionner celui-là. Ah, donc en fait, il faut peut-être faire les deux en même temps. C'était un travail d'équipe depuis le départ. Peut-être. Ah, on a un trésor, c'est parfait. En fait... Attendez, par où je peux passer pour aller de l'autre côté? Ah, mais attends, je peux m'accrocher à un truc pour monter. Regardez ça. Voilà. Attends là. Et hop, yes. Nickel. Et c'est là qu'il faut pas tomber. Ah, c'est net, nous surprendra toujours. J'espère qu'il va me surprendre encore dans Uncharted 4, que je n'ai toujours pas fait les gens. Je l'attends. Avec vous. Pour vous, pour vous le faire en let's play, ça va être trop bien quoi. Je sais. Je suis presque. Mais c'est pas facile. Je peux pas m'avancer plus, d'accord. Je risque un petit peu ma vie à chaque instant celui en fait. C'est voilà, c'est un danger continu si tu veux. T'es prêt? Allez. Wow. La cité perdue d'Ouba. Ça c'est beau. Ça marche. Comme dirait Victor Sullivan, j'en crois pas mes yeux. Par contre, où est-ce qu'on peut... Comment je descends, en fait, sans me casser le cou? Ah, attendez, oui, je peux aller sur le truc, là. Le bord de la porte m'a fait une sortie. C'est ingénieux.
Wow. Pas un truc en haut? Non. Allez hop. C'est plutôt joli avec le désert qui forme une sorte de bouclier autour de la ville. Et le, avec le nuage de fumée. Chapitre 21. L'Atlantide des sables. Hector Sullivan, bienvenue à Ouba. Putain, c'est génial! C'est super beau! Wow. C'est dans ce genre de paysage qu'on apprécie quand même la remasterisation parce qu'elle est du coup vachement. Enfin, on voit beaucoup plus les détails et les textures. C'est vraiment sympa. Il avance bizarre depuis tout à l'heure. Merde, comment on va faire pour descendre? Ah, parce qu'on doit descendre. Peut-être moyen qu'on passe par là. Incroyable. Voilà comment la cité a pu prospérer. Elle doit être alimentée par une source souterraine. Elle est pure. C'est fou qu'elle coule encore après tout ce temps. Ça, c'est quelque chose. Quoi? Non. Non. Pitié. Sully. Oh bordel! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, d'accord! On part sur des jeans en fait, oui, c'est excellent. Pourquoi il meurt pas? Pourquoi il meurt pas? Arrêtez, arrêtez, attendez! Voilà. RPG. Ça me va très bien. Ça, c'est quoi? C'est un trésor, hein? Oui. Non, on va prendre le taux. Merde, ils ont eu Sully quoi? Les mecs ils sortent de n'importe où, tu sais pas d'où ils sortent, et pourtant ils ont tué ton pote. C'est vraiment. C'est génial quoi. Voilà, bisous. Voilà, plus tard. Ah, ah. Non! Ça dégage, par contre il me faut d'autres armes. Oh non! Oh c'est pas du jeu wesh! Il a apparu derrière moi les gars. Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais lâchez-moi! Mais! Oula, oula là! Alors, attendez, là c'est plus difficile que je ne l'aurais pensé en fait. Parce que les mecs te one-shot un petit peu, donc c'est pas facile tous les jours quoi.
Et voilà, et moi je manque de tomber. Ah, c'est super. Ah non, j'ai plus la bonne arme. Ah oui. D'accord, le G. Ok, ok, ils sont super méchants. On peut pas les approcher du tout. Vraiment chier. Allez, on va se mettre à couvert. On va utiliser des armes bien lourdes dans leur cul. Voilà. Pas mort. D'accord, c'est magnifique. Putain. Non, 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 non. Voilà. Oh putain. Waouh. Non, 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 non. Putain, j'ai eu chaud. C'est super chaud, hein. En vrai, je rigole pas, là. C'est bon ? Oh, oh. Bon, j'ai le petit trophée pour les victimes auto-sniper. Si ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe, sans déconner ? Oh, lui ! Reviens ici, espèce de connard! Il est où? T'es mort! Tu m'entends, t'es mort! Faut le défoncer! Et je peux pas... là, espèce de... Je peux pas le tuer. D'aussi loin. Oh non, what the fuck! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ici quand j'étais petit. Oh, il nous a drogués. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh non. Oh merde. Oh, non. Putain. Ça c'est j'y pas bon. Je comprends rien. Elle manquait pas celle-là, hein. Oh merde! On repasse à avec Nate Petit. Oh là là, mais. Oh non! Non! Je suis bloqué! Comment tu fais pour t'en débarrasser? Ah, comme ça, avec carré. What the fuck? Non, non, non! C'est notre pote Sully! On va pas le tuer! Non, non, approche pas. Oh non. Oh non, c'est quoi ça? What the fuck? Oh là là! Bouge. Il faut que oh je sorte. Putain. Non, non, non. Non mais l'effet est génial, qu'est-ce ouais. Que c'est, qu'est-ce qui se passe? On est en drogue tout à l'heure en fait. On s'est fait droguer dès qu'il a lancé la petite grenade chelou là. On peut pas aller par là, on peut sortir par là. Ah si. Ah bah non. Oh là là. Je vais les tuer. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Falloir les buter avec, vous avec avez ça. Tué Sully. Je vais vous buter pour manger Sully. Salut. Oh! Un lance-grenade. Allez, ramenez-vous! On dirait les mecs bourrés dans la rue, tu sais.
Je vais tous se buter. Putain. Ils sont où? Ils sont passés où? Oh, un trésor. Nickel. Nickel. Je pense qu'on peut remonter par là peut-être. Ah non, même pas. Oh là là, mais où est-ce qu'on va? Attendez, mais... Je vois pas où est-ce que je peux aller en fait. C'est un petit peu problématique. Là on peut pas. Ah si. Ok, ça se trouve. Très bien. Des démons. Des démons de feu. Des démons. Sont... Non, non. Sortez. Non. Non, 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 moi je veux le truc. Putain, je suis bloqué. Ah, il y a des grenades aussi. Ah bon? Ah, ça dégage. Ah, ça dégage tranquillement. Voilà, hop là. Oh non, 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 poteau. Voilà. Ok, il a quand même eu le temps de me lancer une. Fuck. Ah, toi, t'es vraiment pas un pote en vrai. Il est où le lance-grenade de tout à l'heure? Il est là. Yes. Je peux lancer des grenades aussi, j'y pense pas. Allez. Hop là, on va se casser peut-être. Hop là, merci pour la mise à jour Overwatch, je suis vraiment très très content. Allez. Voilà. Ah, la musique qui est super cool par contre. Oh là 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 là. Wow là. La fontaine, c'est trop bien fait d'être. Non, non, non. Oh putain, mais attendez, là il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup quoi. Faut savoir d'où ils viennent parce que, en vrai... Stop. Non, non, c'est pas réel. Wesh. Je meurs vraiment très très vite, mais je sais pas d'où ils sont en fait. C'est problématique. Mais tu es scellé. Non, non, c'est pas réel. C'est pas réel. Non. Ok. Oh non. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et pendant ce temps-là, je ne peux pas bouger vu qu'il est à terre. Et du coup, je meurs. Oh, je sens que ce passage va être tellement chiant. Putain, mais je suis bloqué encore dans le mur. Ah non. Ah, ça va rendre dingue, les gars. C'est pas facile, les gens. C'est moi qui vous le dis. Alors, on va lancer des grenades un petit peu partout. Oh, hein, on a un T-Bolt. C'est pas réel. C'est pas réel. Non, par contre, putain, les couvertures, à chaque fois je me cours. Mais putain, j'ai pas le temps de réagir, les gars. Il est mort lui? Non, il est pas mort. Je crois pas, je crois pas. Et voilà. Et voilà. C'est insupportable. Tu es scellé. Non, non, c'est pas réel. C'est pas réel. Allez, voilà, ça dégage. Si on leur tire dans la tête directement, ils meurent. Garde ton sang froid. Je crois. Allez. On a un RPG, mais là, ah non, j'ai plus de munitions. Il me faut le petit RPG. Ok. C'est possible finalement, mais c'est juste que je ne réagis pas assez vite. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là du coup. C'est une petite trompette. Une petite baignade. J'ai 3500 dans le stockage, je vais les garder peut-être. Scellé. Hey, scellé. Non, non, il est mort, il est... Je sais le tirer. Scellé. Oh, what the fuck. Non, non. Mais tout est en train de bouger, c'est ouf. C'est quoi ça? What?
What? Ah, ça me dit le chemin qu'il faut. Ah, c'est super bien fait. C'est dingue. Ah, ils sont lâchés sur le... Dans le délire... trippy. Ils sont lâchés, les mecs. Oh là là. Allez, on tire. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce? Oh non. Faut arrêter la drogue, hein. Sans déconner, hein. C'est vraiment nul, hein. Voilà pourquoi il ne faut pas fumer, les gens. C'est très très mal. Waouh. Toujours des petits trésors en passant, pas de soucis. On les connaît bien. Ok, on s'enfonce. Et on descend. Waouh. S'amuser, connard. Chapitre 22. Ceux qui rêvent du jour. Je crois que ça a mal se terminer. C'est fini, Drake. Voilà. Putain, on s'appelle. Ah, mais là, c'est plus les jeans. C'est les... Bah, de toute façon, les jeans, c'était quand on était... Non. Arrête. Ah. Alors, tu vas arrêter de rire déjà. Et ouais, pendant tout ce temps, le sniper il me tient. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je peux pas contrer l'animation, quoi. Putain. Allez, allons-y. On est parti, on est là, on est bien. Voilà, on a niqué le sniper. Voilà. Il est mort. Mais wesh. Au secours. C'est l'enfer, putain, ce niveau comme ça. Les mecs, ils arrivent de tous les côtés, t'es bloqué, tu peux rien faire, quoi. En fait, il faut monter le plus vite possible. Il est où, le mec? Ah, il est là. Oh. Gardez-le dans le viseur. Ah, j'ai pu le pousser en bas. Allez, oui. Mais toujours plus, toujours plus. Voilà. Là. Putain, je peux... Waouh. Non mais c'est vrai que je me souvenais plus que c'était aussi dur ce passage là, mais... C'est vraiment... Vraiment chaud, quoi. Voilà. Vraiment savoir où ils sont et savoir quand ils arrivent, quoi. C'est tout, hein. Voilà. Hop là, on monte par là. On se met à l'abri juste ici. Le mec arrive là-bas. Ok. Le mec qui me défonce à distance, c'est ouf, hein. Par contre, ah putain, il est là. Lance-roquette, ça ne te suffit pas? Et bien voilà ta réponse. Salut. Hop là, et voilà, il est soulevé. Cet homme est soulevé. Ah merde. Hop là. Le mec, il sort juste de n'importe où, comme des diables qui sortent d'une boîte. C'est vraiment génial, quoi. Ok, on avait para 9, on a un T-Bolt juste ici, par contre, ça c'est cool. Merde. Yes, c'est bon.
Bon. Voilà. Eh ben voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Dit le mec qui a recommencé 10 fois le truc. Ah, ah. Ah, je pouvais genre le tabasser à distance, lui. Coucou. Et voilà, et voilà. On s'appelle... Ah putain. Le mec, il entend bien que ça explose, tu sais. Oh non, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ah, j'explose. Par contre, c'est vraiment super beau. On n'a pas le temps d'admirer le paysage. On n'a pas le time. Il y a des mecs qui ont des trucs qui explosent, hein. Non, c'est bon. Ok. Dieu merci. Tu vas bien? Si tu savais ce que je... C'est quoi le problème? Qui me dit que t'es réel? Ah! Et ça, c'est assez réel? Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit, ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça? Bah, c'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais, ça semble complètement dingue. Donc tu penses que ce serait pour ça qu'Elisabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici? Oui. Il voulait pas de trésor, mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage, et réécrit l'histoire. Ben, on est qui pour juger Sir Francis? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. Waouh, le dénouement de ouf, en vrai. Cette salope de reine Elisabeth qui voulait le pouvoir. Ça a pas l'air très sûr, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, on ferait mieux d'aller en bas. Allez, hop. Un petit ascenseur. Ancestral. Le bordel. Tu te sens prêt? C'est parti. Est-ce qu'on a le choix? Allons sauver le monde une fois de plus. Incroyable. C'est tellement c'est beau. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. Mon Dieu, regarde-moi ce plafond. C'est incroyable que tout soit pas encore effondré. C'est dingue que ça tienne encore. C'est dingue, oui. En effet. Ah, là-bas, c'est peut-être un trésor, non? Oui, je l'ai vu. À distance.
Je sais pas à combien on en est, je vais quand même juste regarder. 55 sur trésor de sang. Donc en gros, j'en ai récupéré la moitié, quoi. C'est pas terrible, mais je les ai pas cherchés non plus. Faut dire. C'est là qu'on doit traverser. Donc j'ai dû en manquer pas mal. Ah, ça, il faut l'exactionner. Aide-moi à ouvrir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, à chaque début pour ce let's play de la saga Uncharted, je ne cherche pas les trésors. Enfin, je fouille vite fait pour les avoir, mais je ne les cherche pas spécialement. Pourquoi à terre? Ah. Oh. Ah putain, par contre, il me faudrait une arme de poing, s'il vous plaît. On n'a pas par ici. On descend alors. Ok, il n'y en a pas non plus. Ah si, il y a un pote là-bas. Ah, un pote, un ennemi plutôt. Voilà. Tu vas te calmer. Ah, je l'ai raté. Quel nul. Voilà. On dégage, on dégage. Voilà, on va changer d'arme parce qu'on n'a plus de mun. Ok, c'est pas la meilleure arme mais... Ah, paraneuf, où ça? Là. Alors, il faut une autre arme que le paraneuf, comme ça j'aurais pu faire peut-être les trophées pour les autres armes, mais. Voilà, les bons headshots. Chers amis, on reprend un clôto sniper. Quoi, peut-être pas finalement. Non, peut-être pas. Allez. Ah, M9 peut-être. Sinon ça se douze. Voilà. Oh mais what, j'ai balancé son pote mort sur lui. Quelle horreur. Allez, la voie est libre là en bas. Putain, c'est vachement beau les visages. Oh, ça c'est les visages qui semblent vous suivre. Attendez, faut que je remonte quand même parce que c'est trop beau. Là, c'est les visages qui vous suivent en fait. C'est juste en fait il est fait en profondeur, c'est ça qui donne l'impression qu'on qui ressortent, c'est trop bien d'avoir mis ça là. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Rien du tout. Ah merde, c'est lui, il en arrive d'autres. Oh là là, et eux c'est des méchants. Putain. Oh, j'aurais dû prendre l'auto-sniper. Wesh. Wesh. Oh là là. Ok, alors, dans l'ordre, grenade là-bas, et lui le mec, on va le défoncer de suite. Arrêtez. Ah putain. Je peux pas aller en haut là et les avoir d'ici? Non. Ah, j'ai tout raté. Putain. Je suis pas bon hein aujourd'hui. Le shoot n'est pas présent. Je prends vraiment beaucoup de temps pour s'engénérer, c'est ça le problème. Allez, sort. On s'approche avec ça. Voilà. Alors, oh putain, non. 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 Oh. Oh, ce bol. Voilà. Et mon petit tir en pleine tête. Mon plaisir. Non, ils m'ont one shot. Fuck. Oh là là. Oh putain, on recommence d'ici. Oh, c'est le calvaire. Attendez. Parce que là, je me suis malassé dans mon siège. Ah, c'est l'enfer. Ça va péter. Attention. Putain, c'est l'enfer. Ça va péter.
Ok, là-bas, on va leur foutre une grenade dans la gueule. Et toi, on va te tuer comme ça. Voilà. Putain. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Hop là. On va aller choper le sniper T-Bolt qui est là-haut. Ok, celui-là. Et on se barre. Mais c'est lui en fait avec sa mitraillette là. Putain. Voilà. Ils sont chiants hein. Et il y en a encore. Il est là-haut. Sérieux? Voilà, tire en pleine tête en plus. Par contre par là je pense qu'il doit y avoir un petit trésor sur les bords ou je sais pas où. Ferait mieux d'aller checker. Non, peut-être pas. Ok, écoute. Où est-ce qu'on va? Ah, là-bas. Je n'avais point vu l'escalier. Oh putain! Oh les mecs! Ah, il rigole plus quoi. Ah. Voilà. Arrêtez. Ouais, je fais pas des trucs comme ça. Fais pas des petits zigzags là. Ça te réussit pas, mec. On va voir ce qui mijote. Une chose est sûre, ils vont dans l'eau. Hey. Super. Je vais pas lâcher ça. Et c'est quoi? C'est un taser en fait? C'est sûr que s'ils vont dans l'eau, ça va être pratique. Sully, viens m'aider. On doit passer là. Alors. Voilà, wow. Le réservoir central. C'est vraiment magnifique par contre. T'es prêt? Ah ouais. C'est le pont qui traversait. Ça doit être là qu'ils vont. On va éviter de vérifier de l'autre côté comme d'habitude. Les petits trésors au cas où, hein, ça ne mange pas de pain. Chers amis. Et il n'y en a pas. C'est étonnant en vrai. Ah vous me décevez Naughty Dog là. Je pensais à un petit trésor. Voilà, une petite récompense quoi. Et non. Même pas. Doucement. Faites attention. Oh ouais, j'arrive pas à y croire. On doit sortir ce truc. T'as une idée? Ils sont clairement plus nombreux. On peut se séparer et les encercler. Ouais, ce serait le mieux. Allez, suis. Lève-toi. Viens. Pitié.
Dis-moi que t'as pas avalé de cette eau. Je crois pas. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi on n'a rien de valeur. Bien, il faut filer. Oh bordel, what the fuck. Oh la vache! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont voir qu'on va se faire enterrer! Quelque chose me dit qu'ils sont là! Pas moi, putain! Oh, ça tremble! Mais. Ah, oh, c'est chiant! Oh, what? Je comprends rien à ce qui se passe! Mais c'est ouf! La séquence là. En vrai, elle était ouf, les gars! Ah, putain! Donnez les loyers de Marlowe! Tout le monde! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Il est là-haut, le mec! Là, là, là! C'est lui qu'il faut tuer, c'est lui là, voilà! Voilà. Oh merde, la bulle se fond. Yes. On doit sortir d'ici. On doit sortir d'ici. Et vite. Je vais voir c'est où, mec. Celui l'a tué, nickel. Ok, on avance. Salut toi. Non, 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 moi je veux le T-Bolt et je veux ma grenade là. Une grenade, s'il vous plaît. Ah fuck. Là. Non, 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 non. Non, faut pas qu'il me tue, faut pas qu'il me tue, faut pas qu'il me tue. Non, 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 non. Putain, je suis nul. Je sais pas où je vais. Et voilà. Ah, je suis un gros nul. Non, parce que j'ai voulu me cacher, du coup il a roulé à la place de se cacher. Du coup, voilà. Ah, c'est terrible. Voilà, c'est celui d'en haut qu'il fallait tuer parce qu'il a un putain de lance-roquette, voilà. Pas moi, putain. Voilà. Voilà. Oh merde, la ville se fond. Faut qu'on se tire dessus. On doit sortir d'ici. Et vite. Oh. Ils protègent leur maître jusqu'au dernier instant, quoi. Ah. Allez. Voilà, hop là, on prend, je sais pas, un gemal. Ouais, c'est très bien. Un arme micro, allez hop. T'arrête pas. Oh, c'est génial. Chili, par là. Foutons le camp d'ici. Allez, viens m'aider. Allez, Sully. Ils arrivent. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Hop là, c'est un headshot quand même. Même dans ces situations, le toupie vous fait des headshots, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Par ici, celui. Hé, hey, par là. Je veux monter toujours plus haut, moi. Non, c'est pas possible. Ah, où je vais? Pas monter là. Ah, si. Ça mène où? En vrai. Un trésor. Dites-moi que c'est un trésor. Même pas. Je suis déçu. Non, mais en fait, c'est la suite. Il faut qu'on monte. Non? Oui, c'est ça. What the fuck? Mais il a trébuché à cause du truc et du coup... Ah, oh, what? Ah, c'est chiant parce que là, du coup, enfin, moi, je peux rien faire, si tu veux. Il a trébuché à cause du tremblement de terre et du coup, bah, moi, j'ai été niqué, quoi. Non, je garde la micro, quand même. Par ici, celui. Allez, allez, par là. Comment on va sortir d'ici? C'est plutôt par là qu'il faut regarder si jamais il doit y avoir des trésors. Les rouages. On peut aussi grimper là, non? Sully, on va monter là-dessus, ok? Attendez. Voilà. Hop. On va faire gaffe du coup au tremblement de terre.
il est parti au loin. Ah là-bas il est. Oh non! Bâtard! Et voilà! Par là! Là-haut! Hop là! Oh! Attention! Wow. Non. Allez, tu dégages. Putain. J'ai raté la moitié de mes tirs. C'est la sortie. Allez, Sully, go. Il est où? Come on. Il se fait vieux. Vous, Drake. Il allait essayer de la sauver, j'y crois pas. Sully, il faut qu'on sorte de là. Tout va s'effondrer. Mais au moins, elle est disparue. Ainsi que la fameuse bague. Wow. Wow, 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 wow. Ah, attendez. Attendez. Bonjour. Allez hop. Allez hop, on est reparti. On a rien vu. What the fuck? J'avais oublié à quel point c'était énorme. Oh là là. Oh putain. Waouh. Mais c'est ouf. Et tout s'en va. Putain. Le sable qui arrive. Allez! Oh putain! Non! Oh! Oh putain, pas lui! Ça va être le combat de titan! Wow! Oh putain! Ça va être chiant! Il a putain de couteau! Wow, 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 wow. Oh putain mais... Oh putain, ça va super vite. Allez, prends-toi ça. Oh, et pendant ce temps, tout est en train de s'effondrer, mais c'est ouf. Allez. Hop. Et tiens. Oh putain. Wow. C'est ouf les prises. Non, non, allez, allez. Ah. Excellent. Oh putain, mais... Oh, oh la vache. Les combos.
C'est pas facile en vrai à suivre. Non. Oh putain. J'ai mal au pouce. Arrêtez. Oh. Putain mais. Oh non, pas ça. Oh putain, il m'a eu. On est sur le bord. Oh non. C'est un pro du couteau ce mec. Oh merde. Hop là. Dans les couilles. Oh putain. Oh non, quel con. Oh putain. C'est la fin, non. Oh, c'est trop chiant. Oh wow. Merci. Nickel. Wow. Oh la vache. Oh putain, allez, faut remonter. Oh non. Oh putain. Allez, tiens bon. Il est temps que ça s'arrête, ce connard. Ah. Allez. Oh. Merci. Allez, on monte. On l'a eu. Et maintenant faut s'enfuir. Ça pue grave. Ça va pas le faire. Salim, venez, montez. Viens, allez, viens, vite. Yallah, oui. Eh ben, adieu, là. La richesse inestimable, hein. Ben... Ça fait pas beaucoup. Ça suffit. Ouais. Attends un peu, Nate. Ça va? Ouais. Ouais, il y a juste un truc qu'il faut que je te dise, c'est tout. Ok. Dis-moi. Tu sais, mon père était un nul. J'ai mal démarré. Arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'aurais jamais de fils. Et j'en ai jamais voulu. J'y connais rien, moi, à l'éducation des gosses. Et puis, t'as débarqué dans ma vie. Et t'as pas... Non, non. Écoute-moi. Il le faut. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans, petit. Beaucoup. Et... je suis pas... quelqu'un de parfait. Tu me fais ta demande, Sully. Je t'adore, non, mais... stop. Stop. Arrête de faire le malin juste une minute. Ça fait combien de temps que t'as ça? Trop longtemps. Je l'avais perdu. Tu sais, petit, on n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur dépend de ce qu'on arrive à en faire.
Hey. Hey. Tu vas quelque part? Peut-être. Je suis vraiment désolée pour ta bague. Ouais. C'est rien. J'ai récupéré encore mieux. On se tire d'ici, d'accord? Ouais. Venez, c'est par là. Mais... Venez! Et confiance. Qu'est-ce que tu mijotes? C'est pas vrai! Ah, il est moins beau que celui que vous avez détruit il y a 4 ans, mais c'est grand. Allez, voyons si je sais encore piloter cette sale machine. Dis-moi, il y a des parachutes, hein? Ah oui. 3. Bah, plus ou moins. Et nous y voilà les amis, c'était la fin d'Uncharted 3, l'illusion de Drake. Remasterisé sur PS4, mais toujours autant plaisir cette petite fin. Assez rapide, mine de rien, c'est vrai, hein, ça s'est tout se précipite un petit peu à la fin et... Puis même la petite cinématique de fin, oh ça m'aurait pas dérangé qu'elle dure un petit peu plus longtemps, mais... En vrai ça suffit quand même pour le jeu je trouve. Et puis tout est bien, qui finit bien. Comme on dit, happy ending, et d'ailleurs il n'y a pas de H à ending, et tout le monde est content, voilà, donc moi je trouve ça plutôt sympa, et une séquence de fin encore magistralement orchestrée au niveau du gameplay, et surtout du level design, quoi, de ce qui se passe tout simplement à l'écran, c'est absolument incroyable, c'est très scripté, mais c'est très beau et très très plaisant à voir. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce jeu en ma compagnie, les amis. Même si, comme vous le savez, j'aurais mis du temps à le faire. Bon, vous êtes au courant maintenant. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo quand j'en ai l'envie et le temps, bien sûr. Parce que j'ai pas énormément de temps non plus pour jouer aux jeux vidéo en ce moment. Même si j'aime toujours ça, c'est vrai que j'ai aussi d'autres occupations que j'aimerais également vous partager. C'est pour ça que je ne me focalise plus forcément à 100% sur ça. Mais j'aime toujours énormément vous en faire et partager ces jeux comme Uncharted 3 qui comptent vraiment pour moi et que j'apprécie vraiment énormément. Parce que ce sont des jeux qui font partie de mes jeux favoris, tout simplement. Et voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir. J'espère que vous aurez apprécié. Bah, laissez-moi en commentaire votre ressenti sur, sur cette série qui n'est pas terminée puisque nous avons le 4 à jouer sur PS4 du coup qui a été créé spécialement pour la PS4. Ça fait longtemps qu'il est sorti, ça fait longtemps que je l'ai. Depuis la sortie je l'ai les amis et je joue en multi parce que je le trouve vraiment génial. Vous avez déjà vu des vidéos sur le multi d'ailleurs, sur ma chaîne. Mais maintenant il est temps de passer au mode histoire les amis. Le prochain let's play sera celui d'Uncharted 4, The Thief's End, et ça, celui-là, il s'annonce vraiment énormissime. J'ai vraiment hâte de voir ce que Naughty Dog a fait pour la PS4. Et voilà, je vous donne rendez-vous très très bientôt, aussi bien pour ces vidéos-là, que pour toutes les autres vidéos, aussi bien les autres vidéos vlog et de musique qui arrivent très très bientôt, je l'espère. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Je vous lâche un petit fait de bien chauffer les pads à l'ancienne. Et on se retrouve sur tous mes réseaux sociaux que vous connaissez. Et ils sont dans la description si vous ne les connaissez pas. Je vous dis à la prochaine. Ciao.